puis c'est les vacances Noé. Aujourd'hui c'est Noël. Oui, aujourd'hui c'est pas Noël, mais c'est les vacances de Noël. Tu es en vacances à partir d'aujourd'hui. Tu es contente? Oui. Vous avez encore mangé le goûter de Noël aujourd'hui? Oui. Oh. Bonne fête de Noël. Merci, merci. Merci. Aujourd'hui, c'est les vacances de Noël. Tu vas en vacances. Ma fille, elle est en vacances là. Moi, je vais t'inviter aussi. Tu vas m'inviter aussi? Oh! C'est les vacances aujourd'hui. Ma fille, elle est en vacances. Hein? Demain, on dort jusqu'à midi. On va aller chercher Alia. Hein? Oui. Je suis la femme la plus heureuse de la terre. C'est les vacances. Ma fille a pris ses vacances aujourd'hui. Oui, 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 oui. Noé est en vacances à partir d'aujourd'hui. Tant pis pour les mamans qui abandonnent leurs enfants pour faire les directs pour insulter les gens. Moi, je m'occupe de mes enfants. Dans ma tête, en train de réfléchir, comment est-ce que je vais m'occuper des filles? Hein? J'étais chercher ma fille à l'école. Le matin, je suis allée la déposer. Je suis occupée. J'ai une occupation. Hein? J'ai une occupation. Ma vie n'est pas que les réseaux. Hein? Ma vie n'est pas que des réseaux. D'accord? Hein? C'est de réfléchir pour l'avenir de mon enfant. Ma fille Noé, elle a pris les vacances aujourd'hui. Merci, bonne fête. Bonne fête à vous et bonnes vacances. Merci. Noé est contente quand tu dis bonnes vacances. Mais c'est rare, hein. Depuis que je vois toutes les femmes sont sur la toile, elles se prétendent être les mères d'enfants. Jamais je les aurais vues venir sortir d'école, chercher les enfants à l'école, comme je fais là. C'est très important de temps en temps. Pour ceux qui travaillent et pour ceux qui sont à la rescue, ont leurs enfants à leur responsabilité. De temps en temps, faites-nous les petits directs. Hein. Quand vous amenez les enfants à la crèche ou à l'école, montrez-nous un peu à quoi ça ressemble. D'accord? Moi, je suis très fière. Quand je viens chercher mon enfant comme ça, si je suis n'importe où, je suis saute. Ah, bientôt 16h30. Ah, je vais chercher ma princesse. Le goût, je vous transmets tout ça. À tout ça, hein, je vous transmets ça. Oui, mon bébé. Hein? Je suis quoi? Non, mais toi aussi tu es la plus belle, mon enfant. Oh, le câlin de sa fille à elle. Oh, mon bébé d'amour. Elle dit que je suis la plus belle. Elle aime bien me dire ça tout le temps. Maman, tu es la plus belle du monde. La pluie commence à m'embêter. Oh, maman, tu es la plus belle du monde. Ça fait du bien quand ta fille te le dit. Hein. Quand toi, tu sais que tu es belle et que ta fille te dise encore. Aujourd'hui, alors, c'est habillée de la même façon. Elle est contente, maman. Moi aussi. Je suis son modèle, mon frère. Quand ça s'habille comme ça, elle met le jean, elle met le jean, elle met le truc, elle dit que oui. Ma mère, c'est mon modèle. Sa grande soeur, alors, c'est le feu. Canaël. Pour Canaël, je suis la plus belle femme au monde. C'est médicament, ça. Elle me dit, maman, tu es la plus belle femme au monde. Mais ça fait du bien, de temps en temps. Montrez-nous un peu, ne restez pas seulement. Vous dites que vous êtes très occupé. Vous êtes très occupé, on ne voit pas vos occupations. Vos occupations, c'est sur les réseaux sociaux. À quel moment vous occupez de vos enfants? À quel moment? À quel moment vous occupez de vos enfants? Oh, mon neveu, ta nièce, ta cousine est en vacances là aujourd'hui. Elle a pris ses vacances aujourd'hui, elle est contente mal. Parce qu'elle sait que c'est elle qui va gérer la télécommande. Non, en fait, j'étais en train de dire tantôt que les mamans là, les mamans et les qu'on connaît sur les réseaux sociaux, depuis que les réseaux sociaux existent, j'ai jamais vu une d'entre elles aller même à la crèche. Moi j'ai vu Emmanuel Keita, où elle s'est même battue même, hein, où elle allait chercher son enfant à l'école, elle était en pyjama et tout ça. On voit une mère qui ne vit pas seulement par rapport aux réseaux sociaux, qui nous montre sa vie. C'est parce que nous, les Africains, nous avons un problème de rivalité. On veut toujours... Sinon, moi, quand je prends ma fille comme ça, je vous montre comment est-ce qu'on... Ce qu'on fait après l'école, les petits trucs qu'on fait ensemble. Hein? C'est quand je me lève, je vous montre ma journée. Vous voyez un peu. Edith, ma milliardaire, Edith,
Edith, ma belle-sœur d'amour. Edith, mon bébé d'amour. Je t'envoie plein de bisous. Noé en vacances. Je suis contente, en fait. Quand elle est en vacances, je suis en vacances. Donc, comme je disais tantôt, ouais, le vent est en train de gâter ma coiffure. Belle coiffure comme ça. La mèche, forcément, c'est comme de la soie. Montrez-nous aussi comment est-ce qu'on a vu ici les mains de la toile. Certains qui amenaient les enfants à l'école. Ils font la course le matin avec les enfants. On me voit ici. Je monte, je descends. Je m'allais chercher mon enfant à l'école. Je m'allais déposer, je m'allais chercher. À quel moment, à quel moment vous occupez de vos enfants? Et c'est le Congo ça de la toile. À quel moment? À quel moment vous occupez de vos enfants? Hein? À quel moment? Maléba, 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 Maléba. Hein? Je vous ai dit que je suis fatigué que vous parlez de moi. Mes jours étaient à partir, mes jours ont encore commencé à sortir. Na yaben. Laissez un peu les jours là, que j'aime quand c'est un peu bas comme ça. Hmm? Mais les gens se sentent à l'aise souvent quand ils parlent de Maléba. Entre temps, quand Maléba reste comme ça là, hein? Et regarde sa petite créature là. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci de m'avoir sauvé et de me donner la force, donne-moi longue vie, que je voie mes enfants grandir et que Noé commence à lire mes courriers. Le goût of chat. Maman, montrez-nous un peu quand vous vous occupez de vos enfants, non, mon frère. La qualité, vous faites le dilemme, l'enfant vient, vous poussez l'enfant de côté. Vous poussez. On voit Nicole ici. Le matin, Nicole peut accompagner son enfant. Ce qui fait que Nicole dort tôt. Parce qu'elle sait qu'elle peut accompagner son enfant. Les chiens ne font pas les chats. Nicole m'a ressemblé. Nicole m'a ressemblé valablement. Oui. On ne dit pas de montrer les enfants. Hein. Montrez-nous quand même quand vous partez devant l'école de l'enfant. Vous dites à l'enfant, bonne journée. Quand l'enfant rentre, tu demandes, qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Non, non, Nino, qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? T'as mangé des pâtes? C'était bon? Oh, ma fille, elle a mangé des pâtes. Des pâtes avec quoi? Des boulettes de viande. Des boulettes de viande. Oh, ma fille a mangé des boulettes de viande. Et qu'est-ce que tu as bu? Du jus d'orange. Ah, oh, oui. Et comme dessert, qu'est-ce que tu as bu comme dessert? Oh, ma fille. Oh, et intégration, oh, intégration. Oui, moi j'ai sacrifié pour mes enfants. Et maman, sacrifiez-vous pour vos enfants, c'est très important. Si ça coupe là, c'est le réseau, vous savez qu'ici là, le réseau dérange souvent. Sacrifiez-vous pour vos enfants. Je vais regarder si j'ai le courrier. Sacrifiez-vous pour vos enfants, c'est très important. On va te chercher l'enfant à l'école comme ça. Ah, on a un courrier. Ah, c'est quoi ça? Madame Perfectue Maléba. Ah, c'est pas les problèmes. Regarde une contravention. Hein? Stationnement. Moi, alors, mon bombard, c'est mal les contraventions. La voiture, elle m'étudie, c'est mal les contraventions. Maman, je sens que. Je serais obligé de couper. Peut-être que l'ancien direct tout à l'heure. S'il n'y a pas de direct, je vais lancer un direct parce que en montant, là, le réseau va couper. Oui, non. En montant, le réseau risque de couper. Si ça coupe, ça ne coupe pas, on reste là. D'accord? Mais si ça coupe, je vais relayer. Quand je viens, ma fille a un réflexe. Elle fouille mes poches. Ma Lily. Ta petite fille en vacances, elle fouille mes poches. Elle sait qu'il y a des trucs dans mes poches. Elle vient la chercher, je ramène toujours un peu le goûter, non? Je ramène toujours le goûter. Voilà, elle est en tête. Quand Noé est en vacances, je suis en vacances. Ouais. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, 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 oui. Arrêtez le courrier, si c'est le courrier de quoi ça? Hein?
J'ai faim. Ça va? Ça a été ta journée? Ok. Hein? Ça a été ta journée. Tu laves les mains? Noé? Tu laves les mains? Attendez, mes gens. J'enlève le manteau, j'ai chaud. On fait un peu de japap. Un peu de. Ouais. Je suis fatiguée, mon Dieu. A tchandjougu. Tu as lavé les mains? Non. Tu as lavé les mains? Vraiment, vivre dans le pays ici. Quand tu n'as pas les kaolo, tu es bien. Dès que tu as le... Dis non. Moi, dis. Un peu qu'être tout ça. Dis non. Le pouce, c'est combien? Je dis non, stationnement. Moi, je dis. Peut-être tout ça, stationnement. Prenez ça, envoyez le courrier. Doucement, nous, on ne peut pas tomber. Du coup, quand il part à Paris, il avait la voiture. Je vois. La semaine qui suit, là, j'ai les contraventions ici qui viennent. C'est un stationnement, tout ça. Là. Mon frère. Oh, Seigneur, mes gens. Mbengé bien quand tu n'as pas le kaolo. Ce n'est pas aussi bien quand tu n'as pas aussi le kaolo. Dès que tu as le kaolo dans le pays, Noé, mets ta télé là-bas, mets-toi par là-bas, tu bouges la table, ça, le téléphone va tomber. Tu baisses. Dès que tu as le kaolo ici, la première semaine là, d'abord, tu commences à recevoir le courrier. C'est là où on sait déjà que tu existes. Et quand tu n'as pas le kaolo, tu n'existes pas, Mbengé. Pour eux, tu n'existes pas. Baisse. Je ne sais pas comment ils font souvent pour savoir que quelqu'un va se marier. Quand tu vas te marier, là, les fleuristes, les gens qui louent les salles, tout ça, là, on vient te contacter, on t'envoie le courrier, maman. Quand tu n'as pas le kaolo dans le pays ici, tu es bien et tu n'es pas bien. Baisse un peu ça, Noé. Parce que dès que tu as le kaolo, c'est là que tu commences à lire. Ma fille Nicole, Noé a pris ses vacances aujourd'hui. C'est le japap du jour. Que Noé a pris les vacances. Dès que tu as le kaolo ici, tes problèmes commencent. Donne-moi un peu, coupe-moi un peu le sopalin là, s'il te plaît. Tes problèmes commencent. Mais quand tu n'as pas les kaolo, tu n'existes pas. Le Watt ne sait pas que tu es là. Donc quelque chose peut t'arriver, tu n'existes pas. Ici, c'est comme ça. Dès que tu as déjà ton premier titre de séjour, c'est là que tu comprends que tu es en bain. Parce que tu commences à recevoir du courrier. C'est comme ça ici dans le pays. Quand tu n'as pas le kaolo,
Tu n'existes pas puisqu'on va t'envoyer les, tu vois, on va t'envoyer tes kaolo où? C'est compliqué. Dès que tu as le kaolo. Maman, j'ai vu. J'ai vu une matinée l'autre jour. Je ne sais pas si c'était sur TikTok. Maman, on disait qu'on ne mettait pas les gens en plein hiver dehors, non? Maman, il s'est mouna, on les a mis dehors. Pays ici, ça change chaque jour. On vous dit de vous intégrer. Vous êtes là, vous faites des directs chaque jour pour parler des sans caleçon des gens. Et vous mêlez de vos vies. Vos vies ne sont même pas propres, mais vous parlez des vies des gens. Hein? Ma vie est comme ça là. Je suis content de ma vie que j'ai maintenant là jusqu'à. Oui, maman. Je suis très fier de ma vie que j'ai maintenant. Maintenant, on cherche à créer. On cherche à créer les activités. On cherche à créer. J'ai beaucoup de choses. J'ai beaucoup de choses que j'ai envie de faire, mais c'est que quand je dis que je passe sur ce chemin-ci, je vois ma santé. Je dis que non, je veux partir par ici. Je réfléchis chaque jour. Et la réflexion en ben, ça ne ment pas. Et te jure, ma Lily. Je veux dire aujourd'hui que bon, moi, je veux commencer à vendre les chaussures. Après, tu dis que bon, les chaussures, même si les gens vont porter les chaussures chaque jour, même est-ce que les gens. Tu dis que tu vas vendre l'eau. Après, tu dis que tu vas prendre le restaurant. Puisque c'est ça que tu sais bien faire. Tu regardes ta santé. Tu dis que yé, tu as l'attention. Si tu pars maintenant encore faire le restaurant, c'est l'ABC, c'est moi que tu vas chercher un tour. Mieux. Tu restes moi, tu dis que yé, qu'est-ce que tu vas donc faire? Tu peux en faire le ménage là-même. Ta santé même aussi, ça ne va pas. Tu commences, tu arrêtes. En tout cas, moi, j'ai mes bulletins de paie. Hein. Moi, j'étais obligé de walk un peu parce que je savais que le bilan devait tomber. Voilà, moi, je walk. Moi, je travaille. Parce que le bilan là, toutes les personnes qui parlent fort, fort là. Vous voyez quand je suis ici chez moi là. Si c'est chez moi, vous avez vu, j'ai ouvert les portes. La porte, elle avait mes clés. J'ouvre ma boîte à lettres. Ce n'est pas chou. Et c'est, comme on dit ici là chez nous, c'est un 4 pièces. Donc, 3 chambres. Ici. Ma fille Claudia, ça va mon bébé? Je ne suis pas dans un studio. Non. J'ai 3 chambres. 3 chambres. 1, 2, 3. 3 chambres. Donc je ne suis pas. Je n'ai pas besoin d'aller faire le direct chez quelqu'un pour montrer que non. Même chez moi, je suis à l'aise. Je peux changer de position. Si je dis maintenant que je me lève, je suis assise et m'assois de l'autre côté, je m'assois. Si je dis que je m'assois de l'autre côté, je m'assois. Si je dis que je m'assois là-bas, là, je suis à la salle à manger. Si je dis que je veux faire au salon, je fais au salon là-bas. Et là, j'ai le goût. Si je dis que je veux cocher quelqu'un, il te coche avec le goût. Il te coche même, j'ai le goût. Il n'y a pas besoin d'aller chez les gens où il y a l'espace pour s'asseoir, pour être à l'aise. Je ne peux pas m'asseoir. Je suis pas à l'aise. Non, je suis à l'aise là chez moi. Je suis très à l'aise. J'ai ma grande cuisine là-bas. Là. Ça me prend même pas même fouiller ce qu'on va préparer là-bas pour manger ce soir. Donc, je disais que les mamans là, nous maintenant, on doit commencer les challenges. Montrez-nous comment vous souffrez avec vos enfants. Quand vous vous levez le matin, vous dites que c'est l'enfant qui part au foot. Vous nous montrez comment l'enfant part au foot. Quand vous dites. Il ne dit pas celles qui ont les grands enfants, il parle de celles qui ont les enfants encore à bas âge. Ma bosse d'amour, gros bisous à toi. Envoyez les cœurs à ma bosse, celle qui a changé ma vie. Yolele, ma vie a changé. Oh. Je suis déjà parmi les aristocrates de la terre. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, challenge, vous devez nous montrer. Moi, aujourd'hui, depuis, je ne fais pas les directs quand je n'ai pas déposé l'enfant, vous voyez, non. Mais aujourd'hui, comme c'est un grand jour. C'est les vacances. Malili, tu ris quoi? J'ai fait le direct pour vous montrer que elle a pris ses vacances aujourd'hui. Voilà. Donc, les mamans là qui ont les enfants à bas âge, le challenge, c'est que quand vous accompagnez les enfants à l'école le matin, à la rentrée, allez, lancez-nous les directs. Ou bien, faites-nous les petites vidéos pour nous montrer comment est-ce que vous accompagnez les enfants à l'école. Comme ça, on comprend que après. Avant la vie de famille et aussi après la vie de famille, il y a aussi maintenant une petite distraction qui est les réseaux sociaux. Oui, parce que
Avant, tu peux avoir une petite vie de... Tu as d'abord la vie de famille. Après la vie de famille, tu peux te distraire via les réseaux sociaux. Bon, moi, j'ai une vie de famille comblée. Comme là, en ce moment, j'étais chercher ma fille à l'école. Vous avez bien vu. Et c'est les vacances. D'accord? Nicole, souvent, ici, là, elle part quand elle part accompagner l'enfant, surtout qu'elle est pas là même très tôt. Elle part accompagner l'enfant à l'école, j'entends souvent que c'est là que nous, on se laisse souvent nos messages. Ma pépé, je suis en train de partir déposer l'enfant. Moi, on s'est dit que je suis en train de descendre déjà. C'est comme ça. Vous êtes là, personne n'a la main pour tenir la main de l'autre. Hein? À la rentrée, là, challenge. Chacun va faire une vidéo. On n'a pas dit de montrer les enfants. Vous pouvez seulement montrer les pieds, comme j'ai montré tout à l'heure les pieds. Que bon, challenge. Même si c'est la crèche. Moi, je vois les papas ici qui amènent les enfants à la crèche. Montrez-nous. À quel moment vos enfants partent à la crèche? À quel moment vos enfants partent à l'école? C'est très important. Parce que moi, maintenant, je vais commencer à dire, avant de venir me parler, occupe-toi de ta vie, occupe-toi de tes enfants. À quel moment tes enfants partent à l'école? À quel moment tu t'occupes de tes enfants? Hein? Voilà, moi je m'occupe de mes enfants. Celle-là est déjà grande, c'est elle qui s'occupe maintenant de nous. Moi je m'occupe de celle-ci. Aujourd'hui, c'était son jour. Maintenant, à 18h30 là, je vais lui donner à manger. Aujourd'hui, elle n'est pas obligée de dormir à 19h30 parce que demain, c'est les vacances. Donc, au plus tard, 22h, elle va aller faire dodo. Entre-temps, je suis à mes occupations. Mon troisième bureau, parce que Facebook, c'est mon troisième bureau. On va se mentir. Ouais, non. Et maintenant, si elle est au Japon, je guette. Ça m'intéresse, je peux mettre ma tête dedans, et même ma tête dedans. C'est pourquoi aussi mettre ma tête dedans, et reste en retrait, je ris. J'envoie les cœurs pour sécuriser le direct. C'est de ça qu'il s'agit. Mais je n'ai pas fait que je suis là. Je ne sais pas si l'enfant est à l'école aujourd'hui ou pas. Je vais m'asseoir, je parle d'une dîner fille, de Maliba. J'ai fait le sapin de mon enfant. Et si ça m'énerve, je lance un challenge au sapin. Je demande à toutes les femmes là, qui passent leur temps à insulter les nobles femmes là, de nous montrer leur sapin. Je demande à toutes ces personnes qui m'insultent là que je suis fatigué de vous. Vous avez les enfants à bas âge. Où sont vos sapins? Vous m'énervez, lance le challenge au sapin. Hein. Noé, tu as ton sapin. On le prend avec la bouche, pas avec la tête. Tu as le sapin. C'est où ton sapin? Il est là. Venez vous asseoir. Maléba, il a fait le sapin de son enfant. Elle attend maintenant que le Père Noël fasse le miracle. Tu peux me dire à ma bosse que envoie quelque chose à ta fille. Pour préparer. C'est chaud, mon nez coule. Venez, oh. Ça c'est, ils sont là, ils passent leur temps à parler de Maléba perpétue. Je n'ai plus votre temps. J'ai dit que maintenant, j'ai atteint un niveau où c'est le haut level. Je réponds à qui j'ai envie de répondre maintenant. Hein? Vous savez avec qui je parle? Je parle avec des personnalités, moi. Et vous trouvez normal que je parle avec des personnalités et que ces personnalités me voient en train de répondre aux personnes qui n'ont pas de sapin chez eux. Va me prendre le téléphone dans la chambre, bébé. Okay. S'il te plaît. Noël, regarde quoi ici, là. Moi, je l'ai tout cru. Hein? De vous en moi, est-ce que vous trouvez normal que les femmes qui n'ont même pas le sapin chez eux viennent s'asseoir. Ils partent jeter les sapins chez les gens pour venir parler à Maléba Perpétue. Et moi aussi, je vais me mettre là, dit que je vais répondre. Franchement, je dis que moi maintenant, là, j'ai choisi le jour que j'ai envie de répondre. Donc, on va faire le challenge. Vous allez nous montrer maintenant comment vous amenez les enfants à l'école. C'est très important. Je vous dis souvent ici que le matin, il faut laver les enfants avant de les amener à l'école. C'est très important de laver les enfants avant de les amener à l'école. On ne va pas s'asseoir 24/24 sur les réseaux sociaux
Même si c'est mon troisième boulot. J'ai mon premier boulot qui est Noé, mon deuxième boulot d'Ngomna, et mon troisième boulot aussi. C'est comme ça. Et maintenant, quand je vais faire maintenant, je vois que le travail d'Ngomna est là. Dès que je vais commencer l'autre activité là, je vais d'abord arrêter même. Le travail d'Ngomna là. On ne peut pas poursuivre 10 lèvres à la fois. La TKC. La TKC sont violents quand ils veulent. Les TKC sont violentes quand elles veulent. En tout cas, je suis fier de vous. Franchement, je suis très fier de vous. Très, très fier. Je suis même plus que fier de vous, la TKC. Vous, quand vous voulez, vous tapez aussi parfois la main sur la table. Ça, c'est bien ça. De temps en temps, c'est bien. De temps en temps, il faut un peu gronder, non? Quand vous entrez dans un direct, comme moi, quand j'entre dans un direct, pour sécuriser le direct, j'envoie les cœurs. Il faut souvent envoyer beaucoup de cœurs et partager. Et toutes les TKC qui disent qu'elles sont bloquées, mes enfants, vous n'êtes pas bloqués. C'est Facebook qui veut que vous vous réabonnez. Vous avez compris, non? C'est Facebook qui veut que vous vous réabonnez. Donc, Facebook voudrait que vous vous réabonnez. Donc, réabonnez-vous. C'est important. Ma fille Nicole, tu as vendu les mèches aujourd'hui ou pas? Qui m'appelle là? Depuis aujourd'hui, vous ne m'appelez pas. Quand je suis en direct, maintenant, vous venez m'appeler. Vous m'appelez maintenant quand je suis en direct. Comment? Depuis là, je suis là aujourd'hui, vous ne m'appelez pas. Vous m'appelez maintenant quand je suis en direct. Ma fille, tu as vendu les mèches aujourd'hui? Allez-y commander le glutathion. Pardon, j'ai besoin d'argent parce que bientôt je vais aller faire des dons. Allez commander comme ça. On va nous donner, on va ajouter l'argent dans le, on va mettre l'argent dans notre cagnotte. Oh Michel, comment tu vas, ma BS? Michel, la milliardaire. Tu atomises, hein? Tu ne donnes pas le lait. Wow, Samé. Samé, tu as entendu, tu dis que quoi? On dit qu'on cherche ta vie. D'accord. Vous savez que sur les réseaux sociaux, vous voyez que ça tourne comme ça, là. Ça tourne, ça tourne. Il n'y a jamais quelque chose qu'on va dire sur toi qui est nouveau. On va toujours, t'as dit, quand on reste comme ça, on dit que qu'est-ce qu'on peut me venir sortir aujourd'hui? Et bon, Maléba vient ici, on te mange. T'as dit, les mêmes CD qui sont là, ré, jusqu'à. Alors que nous, quand on fait les sorties, C'est qui appelle là? Pourquoi j'ai mis le numéro aussi là, hier? C'est le numéro aussi, c'est vous qui m'avez trompé hier. J'ai entendu qu'on a dit qu'on va me donner le cadeau. J'ai pris mon numéro et c'est parti mettre sur la toile. À cause de vous là. On dit que demain la toile va prendre feu. Okpok. On dit que demain la toile va prendre feu. Fire to the poupo. On dit que la toile va prendre feu. Tout le monde va se déconnecter demain. La lille sur le calendrier japonais. Oui. Vous allez lire l'œuvre. Comme vous aimez le Congo ça, là, vous aimez laisser les voix en Congo ça. Hey, tu sais que l'autre a dit que. On va vous sortir vos voix. Allez lire l'œuvre. Ouais. Samé, comme tu vois là, alors, est-ce que tu sais que Maléba a dit que tu peux t'insulter? Allez lire l'œuvre. Lis-le sur le calendrier japonais. Vous allez lire-le. Lis-le.
Oui, les leaders sont fatigués de vous. Demain là, vous dites que vous avez fait les 10e guerre mondiale. Qui a honte? Je cache les yeux qu'elle me reconnaisse, elle va me garder dans le coup. Ouh, la Maman honte, la Monique va honte. venir fêter avec nous. Oui, je viens fêter avec vous, promis. Ne peux pas, tu ne viens pas, Rémi. Promis. Ne peux pas, je viens. Tu ne viens pas, Rémi. Je laisse un peu Mariam, c'est ton tour. Mariam est vieille, donc c'est mon tour. Oui, elle est vieille. Mais oui, c'est ton tour, j'ai compris. Oh, tu sais que j'ai trop peur de Facebook. Bonne journée, bisous, bye bye. Ma mère, bisous, bye bye. Qu'est-ce qu'elle fait qu'elle monte dans le direct? Il y a qui a peur, les gens qui ont peur de Facebook comme quoi? Facebook a traumatisé les gens, mon frère. Quand tu aimes ta personne, n'accepte pas que ta personne vienne sur Facebook. C'est ce que je dis tout le temps. Hey, Lila, pourquoi vous m'appelez trop quand je suis en direct? J'aime pas ça. Envoyez les cœurs pour sécuriser le direct. Vous savez qu'il y a des gens qu'on paye. Il y a des gens qu'on paye maintenant pour signaler le direct des gens. Il y a des gens qui n'ont rien à manger, mais ils préfèrent payer pour qu'on signale le direct des gens. Donc, partagez souvent les directs quand on est en direct. Vous envoyez les cœurs. Ça sécurise le direct. Vraiment. Les gens, on le bat. Ils veulent me voir tomber, réduire en niant, vous mentez. Nous, on est là demain, on attend les directs du siècle. On attend les directs du siècle. On attend les directs du siècle. Moi, quand j'ai quelque chose sur quelqu'un, moi, je n'attends pas l'audical, ouais, j'ai atomisé ça. Là, on prend les rendez-vous, ce n'est pas bon. Moi, quand je vais venir vous donner rendez-vous ici, préparez-vous. Ouais, le téléphone, sinon, regardez le téléphone ici. Ce téléphone. C'est le Samsung. Le téléphone-ci. Ce téléphone-ci. Le téléphone-ci. Si ça parle. Si le téléphone-ci parle. Ce téléphone ne sort jamais de la maison. Mon neveu, tu en sais quelque chose. Tu as écouté un peu. Si le téléphone-ci parle. Les cadavres vont tomber. Mais on vous attend. On vous donne le coup d'envoi. Unago. Le jour là, il va lancer deux directs. TikTok. Ici, je lance TikTok. Je mets Facebook. Je mets comme ça, Tauta. À TikTok. À moque de. Moi, le truc, c'est que je parlais sur TikTok fort. Oui, le truc, c'est que je sur TikTok. J'ai eu 100 euros là-bas l'autre jour. Hein. Comme les blagues. J'ai eu la girafe, les chats. Adigo for TikTok. C'est tout. Le tout si. Pourquoi mamie m'appelle? Pourquoi ta grand-mère m'appelle? Qu'est-ce qu'elle veut? J'étais là tout à l'heure, personne ne m'appelait. Maintenant que c'est en direct, c'est là que tout le monde m'appelle. Arrête de m'appeler, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me voir tomber? Oui, maman. Oui. Zanyon. Aka. Alali tourne. Alali tourne les films hier au Cameroun. Badou Benya. Alali tourne les bega bon série. Ah bon, oblé d'y aller douan les. Ah yeah. Ah là, ah bon, ah bon, ah bon, bon s'intéresser là, n'y dit, ben, bon, ben s'intéresser là, yo, ben, 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 bon, ben s'intéresser là, n'y ah, ça va bien, oh, il est mal, il va aller bien, ma peau. Ah, il est mal à la ramane, parce que maintenant la ramane me pèlera, ben, c'est que je m'a atomisé, bon, hein, ben, Buzz, Bobby Sebi dit Buzz. Ah maman, il est prêt à toi nous Buzz. Sa mère, ça m'a ouvol.
Ça m'a ouvert là. Il est prêt. J'avais. Ça m'a tiré Johnny. Aka Pam. Ne. Lupto, Lupumbo. Mais les alarmes de Jodje. Va enlever les chaussures. Enlève les chaussures. Maya va prendre pour moi. Qui a mis l'engagé sur YouTube, mon frère? Elle n'y est déjà les ouais sur YouTube jusqu'à. Elle connaît les noms des gars, comment elle ne connaît même pas. Ça me ne rit pas. Elle a entendu qu'il y a un gars là qui m'insulte tout le temps. Et quand on a été mis l'angala dehors, il dit que c'est le buzz qu'ils sont en train de faire pour qu'on s'intéresse à eux. Nous, on ne s'intéresse pas. Vous avez vu qu'on aime parler de ça ici. Personne n'a parlé de ça, parce que ça n'intéresse personne. Nous, on sait que les gens sont prêts à tout pour la visibilité. Qui a mis l'angassi sur YouTube qu'elle est déjà à fond? En fait, quand elle regarde ces trucs, elle dit que ça. Après, on lui propose les trucs de Facebook et tout ça. Donc, elle est déjà dedans. Comment je fais pour bloquer l'angala là-bas? Parce qu'elle voit déjà tout ce qui se passe sur YouTube. Elle connaît les noms des gens. Hey! Oui. Moi, je cherchais à lire tout à l'heure. Je vais couper le direct. Merde. Bon, on va faire le challenge. Sapin. Et gros sapin, hein, pas les petits sapins. Moi, j'ai un gros sapin. Un gros sapin ici. Qui vient me parler? Elle n'aime pas le sapin. Elle vient parler à Maliba. Ah, mon sapin. Un gros sapin comme ça là. Elle vient parler à qui? Vous pouvez partir squatter chez les gens parce que vous n'avez pas de sapin. Vous me jetez le sapin des gens. Voilà. Okay. Maintenant, à partir de jeudi, j'ai dit que je suis un aristocrate. Je ne parle plus avec n'importe qui, n'importe comment. Ça m'énerve parce que je n'aime pas quand on fait durer le suspense. Je déteste ça. Bon, mes gens. Je vais aller regarder ce que l'angassi va chop ce soir. Elle n'est pas compliquée. C'est moi là que je ne sais pas ce que je vais manger ce soir. Je ne sais pas ce que je vais manger ce soir. Je ne sais vraiment pas. Il y a une vidéo que j'avais envie de décrypter. Je vais revenir. Si je vois qu'il n'y a pas de direct, ou il y a les directs qui ne sont pas intéressants sur la toile, je vais venir décrypter. Décrypter ne veut pas dire clasher. Hein? On est d'accord, non? Parce que vous m'interdisez même tout là. Même décrypter, je peux décrypter, non? Mais mon temps déjà quand même. C'est les membres depuis là avec les filtres, quand même qui viennent. C'est quoi ça? Mon temps déjà. Il y avait les gars ici qui ont les pantalons de Moriba. On m'a envoyé ça. Les gars qui portaient les pantalons de Moriba. Miller. Bon, mes gens, j'ai une vidéo. Si vous me voyez faire un direct là, c'est que je vais décrypter. Je vais décrypter. Ouais, non. Et décrypter seulement. C'est les personnes là que je n'aime pas, les gens qui ont la tête dure là. C'est vrai que nous tous, on veut la visibilité sur la toile. C'est vrai que nous tous, on vient venger les gens. Mais quand vous ne connaissez rien sur les gens, fermez souvent vos bouches. Vraiment. Vous venez transformer les choses. Maintenant, vous prenez les mots, les paroles que j'avance. J'ai dit souvent aux gens, vous venez insulter, vous voulez insulter ma patronne avec ça. À un moment, moi, je serai obligé de sortir si on manque de respect à ma patronne. Hein. Oui. Parce que ma patronne n'est pas... une bagarreuse. Venez manquer de respect à ma patronne, à un moment, elle sera obligée de sortir. D'accord?
À un moment, je serai obligé de sortir. Donc, que ça vous plaise ou pas, même elle-même, même si ça ne la plaît pas, à un moment, je serai obligé de sortir. Parce que je constate que vous, même là, vous ne connaissez pas atomiser. Vous êtes, vous caressez un peu trop. Moi, j'atomise en buvant une coupe de champagne. D'accord? Donc, sachez que je veux choisir, là, dans le tas, personne qui manque de respect à ma patronne. J'ai entendu une de mes filles, en plus, c'est une de mes filles qui vient me manquer de respect, qui vient me manquer de respect à ma patronne. Après, vous avez dit que oh, nous-mêmes là, il ne faut pas manquer de respect à ma patronne. J'ai suivi ça. Je disais que je vais faire le décryptage. Faut apprendre à respecter. Comme vous avez décidé que vous, entre nous là, les quoi, on veut faire du sale. Vous voulez qu'on fasse du sale, on va faire du sale. Moi, je n'ai pas peur de ça. Surtout qu'en ce moment-ci là, je suis, comment on dit quoi, le chat parti, les souris dansent. Donc, je m'emballe la race. On va dire que oh, mets-toi au niveau de le moment. On voit ici, là, à l'Assemblée, on voit les personnalités bagarrées ici. Hein. C'est aussi les êtres humains, non? Ils ont le cœur, non? Hmm? Les présidents, là, les chefs d'État, là, les comment on les appelle encore, là? Les ministres, les chefs d'État, les gens de l'Assemblée, là, on les appelle comment? Eux-mêmes, ils bagarrent souvent, non? Moi, je vois souvent les reportages ici, hein? Tu vois comment l'autre se lève là-bas, là, il vient, il donne à l'autre, boum, pendant les débats comme ça, même, en pleine télé. Ce n'est pas nous, les Nyama-Nyama, là, que ça ne va pas, on ne peut pas oser se dire les vérités. Dire les vérités ne veut pas dire clasher. Moi, je dis les vérités. Moi, quand je fais une sortie, c'est que je viens dire la vérité. Et si, par exemple, quelqu'un fait une sortie sur moi qui n'est pas vraie, je viens rétablir la vérité. Voilà. Ne veut pas dire que c'est un clash. Le clash, c'est que je m'assois comme ça, là. Je t'atomise. Les députés, voilà. Les députés, merci. Donc, tu ne peux pas venir me dire des choses qui ne sont pas vraies. Moi, je vais venir rétablir la vérité. On est d'accord. Hein? On est d'accord, non? La TK, c'est à vous que je parle là maintenant. Là. On est d'accord que je peux venir rétablir la vérité. Il ne veut pas dire que c'est le clash. De temps en temps, vous-même, vous aimez bien ça aussi quand on atomise un peu. Voilà. Donc, vous venez là que t'entends qu'on manque le respect. Il faut qu'il partage le poste d'Amer Kamer. Amer Kamer va être direct à 21h00. Il partage. Tac. C'est de ça qu'il s'agit. Et dès qu'il est en direct, bipez-moi. Je partage ça jusqu'au village. C'est ça. On dit tout à l'heure. Tout à l'heure, non? Mm-hmm. Le décryptage de ça. Tout à l'heure. Je m'ai fait manger à mon enfant. Pardon. Bisous, non? Bisous tout à l'heure.